Allez, bonjour à toutes et à tous, ici c'est Landron pour le troisième épisode de mon let's play sur le jeu Banished saison 2. Alors, je vous avais essayé la dernière fois, et ben on avait failli, je pense qu'on avait frôlé la catastrophe au niveau de la santé moyenne et au niveau de la nourriture. Là ça va beaucoup mieux, là c'est clairement, c'est mieux, hop, c'est mieux, voilà. C'est quand même largement mieux qu'avant, donc j'ai lancé une mine mais je sais que ça va pas aller tout de suite, donc on va plutôt faire une maison pour ne pas avoir de problème démographique tout de suite. Ce que j'aimerais éviter, évidemment. Je vais juste regarder où est-ce qu'on peut couper. Quel niveau on peut couper? En fait, on peut couper jusque là. Au niveau du Remove Resource, on peut le faire jusque là. Ça va être long, mais au moins on aura la place. Allez, launch. Launch. Donc voilà, ici on va pouvoir construire une maison, bah une fois que de toute façon ça aura libéré les farmers, je pense qu'ils auront de temps en temps une occasion pour aller placer un ou deux trucs, ce que j'aimerais. Voilà, bon, vous voyez déjà on a un laboureur qui arrive, il va aller me construire cette maison. Donc 7, 9, donc on va en avoir un supplémentaire, 6, 8. Donc il faut vraiment des maisons supplémentaires pour pouvoir avoir, pour éviter les problèmes démographiques. Donc là de toute façon, ça c'est un verger que j'ai placé l'année dernière, enfin l'épisode précédent. Il va pas donner des fruits avant un petit bout de temps, donc bon. Même si le temps est considérablement accéléré dans le jeu, oui parce que là évidemment les gamins en fait ils ont 10 saisons et ils peuvent travailler alors que techniquement c'est pas 10 ans quoi. Donc on a un laboureur de plus, il va aller à la Gather Hut. Toujours récupérer de la nourriture, c'est le plus important parce que tant qu'on a de la nourriture, on a de l'espoir. Voilà. Donc là on a notre mine. Une mine. Il faudrait que je la lance mais j'ai... C'est quand même 48 logs, ce qui est énorme. 48 c'est vraiment beaucoup. Ah, ici ça trouve des trucs quand même, hein. Ça trouve des trucs. Ici ça trouve des mushrooms, des berries, des oignons. De l'herbe ici, ouais, la bonne herbe. Ça trouve de la bonne herbe, ouais, ça trouve de la bonne herbe. Donc ici, ça y est, une maison supplémentaire. Ce qui est une bonne nouvelle. Il me faudrait un atelier d'outillage. C'est-à-dire un blacksmith. Un forgeron. Il me faudrait un forgeron, même si ce qui m'embête c'est que déjà ça coûte très très cher en pierre, hein. Et aussi en bois d'ailleurs. D'ailleurs, je vais monter le plafond, toc. Ça coûte très très cher, mais là j'ai plus les outils, il me faut clairement un blacksmith. Il me faut un blacksmith. Et il me faut une mine, de façon à pouvoir produire des outils, parce que là si on n'a pas d'outils, on va pas y arriver. J'ai réussi à régler mon problème de nourriture à peu près. Donc essayons de régler les autres problèmes. Voilà, on commence à avoir vraiment beaucoup de monde sans outils, ils travaillent largement moins efficacement. Donc il me faut des outils. Sauf que là, bon, 48, 68... Heureusement qu'il faut pas de fer. Et que là, j'ai demandé une bonne... Enfin, on rase bien tout, quoi. On rase bien tout. Une fois qu'ils auront construit ça, ça sera cool, déjà. Alors... J'aimerais que la nourriture plafonne à mort. Et on va... On va faire péter les plafonds. 70%, ici ça a combien? C'est 0% évidemment. C'est des apples. Ah ah, un laboureur de plus. Un laboureur qui va aller au forester. Parce que le forester il récolte du bois, tout ça, et c'est très important. Parce
Parce que là, clairement, au niveau du bois, on n'est pas bon. Ce que j'aime bien, c'est que c'est la pinesse, donc le bonheur, ne descend pas. Ce qui est très très bien. Moi, il n'y a pas de problème avec ça. Du coup, je n'aurais pas à mettre une... Où est-ce que c'est? Où est-ce que c'est une taverne? C'est où? C'est ça. Une taverne. Ça, j'en ai pas besoin. Ce qui est plutôt bien. C'est plutôt une bonne nouvelle parce que c'est assez... ça me bouffe beaucoup de fruits. Ça nécessite n'importe quel fruit et ça fait de la pierre. Donc c'est... Donc ça, c'est pas mal si on a des problèmes de bonheur, mais comme là ça va... Ah, ils sont tous à fond quoi. Vous êtes tous à fond avec moi? Ouais! Voilà, exactement. Donc par contre, là ils ont oublié de construire. Il est où mon... Il est où mon worker? Et t'as pas besoin de picking up resources? T'as pas besoin d'aller chercher des trucs? C'est plein ici. Y'a plein de trucs. M'embête pas. Ce que j'aimerais pas, c'est que ça soit un espace de stockage. Là, j'aimerais passer, histoire de faire un cimetière par là. Voilà, un gros cimetière. Un bon gros cimetière. Virer les ressources qui sont ici. Et faire un bon gros cimetière un petit peu loin. Ah, on a un laboureur de plus. Qui va aller au niveau farmer. Voilà. Ah, ils sont en train de récolter. Cool. Quoique, est-ce qu'il faudrait pas plutôt qu'il aille au niveau du builder? Il faudrait que je construise de nouvelles maisons d'ailleurs. Est-ce qu'on pourrait pas en mettre une ici? Et mettre en pause, histoire que je puisse poser, voilà. Au cas où, enfin au cas où. Elle me servira rapidement, mais pour l'instant je la mets en pause. Bon, c'est bon le bois là, vous voulez me l'apporter un jour peut-être? Oui, non, peut-être. T'es qui toi? T'es builder, ok. Mais sinon, il y a plein de bois, vous avez pas envie de me le poser? Qu'est-ce que vous me faites? Picking up resources. Vous êtes lourd, vous êtes très très lourd. Je veux juste que vous me finissiez ça. Bon, niveau nourriture, on est largement bon. Oh, et puis la santé remonte, c'est nickel, c'est exactement ce qu'il me faut. Des herbes, on va monter, hein, parce que voilà. De l'herbe autant que ça y est. Ah bah voilà, une fois qu'on gueule, la stone arrive, en plus. J'espère qu'il y en aura assez. Ce qui m'embête, c'est que j'aurai jamais assez de ressources pour finir ça. Ah. Et d'ailleurs, j'ai une hunting cabine qui traîne dans le coin aussi. Alors... Ils sont 15 sans outils. Il n'y a que 5 enfants. 5 enfants, c'est pas beaucoup quand même. Il en faut régulièrement parce que sinon, on va tous se retrouver... Ils vont tous se retrouver hyper vieux, tous crever en même temps à cause de la vieillesse. Et du coup, j'aurai plus de jeunes. Donc il faudra que je fasse une wooden house avant de m'attaquer à la mine. Bon là ils ont... Je crois qu'ils ont encore oublié de... De ramener des ressources. Et les arbres. Ça pousse pas, hein. C'est long à pousser un verger. C'est très très long. Des enfants, ouais, ils sont quand même beaucoup, ils sont coincés. En plus, on commence déjà à avoir des trucs de des vieux. 38 ans, c'est quand même vieux déjà. Je crois que j'avais réussi à conserver des gens jusqu'à 70 ans et plus. Voire même 80, peut-être même 90, je me souviens plus, il faudrait que je re-regarde. J'ai pas pour habitude de regarder mes vidéos, surtout qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais bon. Il faudrait que je regarde. La nourriture va très très bien, tout va bien, tout va très bien. C'est le nirvana, ou presque. La question est-ce que les cailloux ça pousse? Je crois pas, hein. Je crois que les cailloux ça pousse pas. Il faut faire des mines.
Il faut faire des mines. Alors, elle a pris des poissons pour les ramener ici. Bizarre. Allez, l'Iron arrive. J'espère. Parce que il faut quand même qu'il fasse des trucs là. C'est pas tout de me ramasser des plantouilles, tout ça, mais quand même. Ils sont lourds à faire ça. J'ai pas envie de le lancer maintenant, mais il faudrait que je mette en pause celui-là, 10. Ah bah il a enfin compris le truc, non? Il a compris le truc 2 secondes et après il s'est barré. Oh mais quelle bande d'abrutis. Un laboureur supplémentaire, tu vas aller récolter. Au champ, quoique, Forester. Forester, il va me falloir pas mal de choses, donc Forester. Après il me faudra pas mal de mineurs. Quoique. Vous savez quoi, on va le lancer, hein, tant pis. On va baisser le forester, je vais mettre un builder. Et faites-moi ces trucs. Sinon je vais devenir vulgaire. Et les outils. Je sais qu'ils travaillent quand même moins bien sans outils, mais faut pas abuser non plus. Ça y est, construisent enfin. Allez, travaillez. Sur 90, mais ça va être très très long. Et juste pour un blacksmith. Et c'est pas un des bâtiments les plus compliqués à faire. Moi ce que j'aimerais c'est qu'il y ait plus de bâtiments, qu'il sorte des arbres technologiques, tout ça, mais j'ai l'impression que le jeu est un peu laissé à l'abandon par le créateur. Encore qu'il y a le Steam Workshop qui permet d'ajouter des mods, mais j'ai l'impression que le jeu n'est pas forcément très updaté par son créateur, ce qui est dommage parce qu'il a... Il a un potentiel de fou. Moi, je suis sûr qu'on pourrait pousser le concept à un paroxysme monstrueux au niveau de la gestion survie. Par exemple, gérer des lois, gérer plusieurs villes, gérer un système politique, gérer plein d'autres bâtiments différents. On pourrait faire énormément de choses. Peut-être préciser un peu les histoires d'âge plutôt que faire ça à la saison, faire vraiment à l'année. Et faire ça, faire un décompte semaine par semaine. Ça serait très très intéressant. Je suis sûr qu'on pourrait faire quelque chose d'absolument magnifique. Encore faut-il effectivement avoir le temps, les capacités, le budget. Ce qui est compliqué. Mais bon, avec le petit succès qu'a eu le jeu, je pense qu'il y a moyen qu'il puisse nous pondre quelque chose de bien s'il continue à travailler dessus. Je sais pas en fait s'il travaille dessus. C'est juste que j'ai très très rarement vu des mises à jour sur ce jeu. Alors peut-être que c'est un peu comme Terraria... où ils font une mise à jour tous les 50 ans, mais quand c'est une mise à jour, c'est une bonne mise à jour. Je sais pas. Donc un blacksmith, il me faudrait un blacksmith, sauf qu'il faudrait du log plus iron, et évidemment je n'ai... Si j'ai de l'iron, je suis con. Voilà, donc la mine elle peut attendre. La mine peut attendre. Allez, finissez-moi cette wooden house. Toc. Remplacer mon cul sur mon siège. Allez. Alors ici ça en est où? Mais ça pousse! Des pommiers qui poussent. C'est très bien tout ça. C'est très très bien. Bon allez, maintenant j'aimerais que vous vous rééquipiez en outils. Donc en fait la mine elle peut attendre un peu. J'aimerais que vous vous rééquipiez en outils. Par contre, quelque chose qui va vite devenir très 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 indispensable. Des maisons. Je les ai très mal placées, mais c'est pas grave.
On va mettre celle-là en pause. Celle-là en pause aussi. On va mettre le... Voilà, on est bien comme ça. On est plutôt bien. Quoique je vais peut-être avoir des problèmes au niveau du... Au niveau de la mine... Enfin, au niveau de la... Du storage d'iron. Je me pose la question. Je trouve de l'iron. Là, il trouve beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'il y a? Tools is low. Ouais, mais t'as déjà un tools, ce qui est quand même bien. Parce que du coup, ils peuvent enfin récupérer des outils. D'ailleurs, la limite d'outils, 50. On va faire péter la limite d'outils. Allez, quoique non. Pas 150, on va plutôt mettre 75. 150, il va travailler pendant très 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 longtemps. Alors... Une fois qu'on est là, ils vont pouvoir... Voilà, ça y est, ça emménage. J'ai combien de maisons? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, on est 31. Bah c'est pas mal, en plus ça fait des nouveaux enfants. Bah du coup on est 32. 32. Une fois à 35, je pense qu'on lancera une nouvelle construction. Pas qu'on ait trop de problèmes. On lancera une nouvelle construction une fois à 35. Si ça pousse. Ça pousse, ça pousse. Ah ah, un adulte qui devient laboureur. Toc, forester. Donc alors, maintenant il faut que j'aménage par ici. Parce que j'ai quand même pas mal de choses à faire. Ah oui, il y a la hunting cabin aussi à faire. Allez, on lance la construction de la hunting cabin. Ça sera ça de fait, comme ça on pourra mettre des chasseurs. Toujours varier un peu la nourriture. Ah, la vraie... Happiness a légèrement diminué, bizarrement. Je ne sais pas pourquoi. Reservoir 2 is low. Ah, oula. J'ai plein de naissances. J'en ai 3 d'un coup. Attendez, 3 naissances d'un coup? C'est juste parce qu'il y a un peu de place dans les bâtiments, c'est ça? On va passer en 550. Bon, bah voilà, on va lancer celui-là aussi. Hein. Là, il faut pas trop que je me fasse dépasser par les événements. Donc, méfiance. Que je me fasse dépasser par les événements. Hazardous to is low. Oui, mais déjà, les habitants récupèrent des outils. Ils vont pouvoir travailler plus efficacement. Ce qui est toujours une bonne nouvelle. Il faudrait que je fasse un puits aussi, parce que là, si j'ai activé les catastrophes, et les catastrophes, ça peut se manifester par différentes choses qui... sont jamais très sympas, on va dire. Le puits c'est un bon moyen. D'ailleurs je pourrais mettre un accès au puits par ici. Ici c'est bien. Oula, j'ai plus de bois. Les mecs, vous avez fait quoi du bois? Vous l'avez mangé? Wow. Je sais pas ce que vous avez fait avec le bois, mais en tout cas il est parti très 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 vite. Iron is low, tool is low. Et zut, j'ai mal géré mon truc. J'ai mal géré mon truc. Encore que, du coup, ils ont des outils, ils travaillent quand même mieux. Là, le problème, c'est que le bois est parti à une vitesse. Ouf, 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 que c'est magnifique. Ça y est, c'est passé à 5. C'est complet, c'est génial, c'est exactement ce qu'il me fallait. Bon, par contre, on a énormément de naissances, ce qui est très bien aussi. Tools is low. À la limite, que la réserve de tools soit basse, je m'en fiche un peu. D'ailleurs, pourquoi j'ai mis 75? Je suis un peu bête. Pas besoin d'autant, besoin de 25, ça suffit. Non, pas 258, 25. Déjà, 258, c'est quand même vachement arbitraire. Et j'ai des problèmes de bois. Non, ça passe. Du coup, je vais quand même monter à 600. Voilà. Oh, ça fait 20 minutes déjà.
Et quand je pense que je peux pas tourner plein d'épisodes d'affilée, tout simplement parce que ça fait des très très gros fichiers et qui rentrent pas sur mon PC. J'ai beau avoir quelques terras de place, ça rentre pas. Au bout de deux ou trois épisodes, ça y est, je suis complet, il faut que je les traite, que je les monte, que je les fasse pour pouvoir supprimer ensuite les fichiers de base et garder de la place pour continuer à tourner des vidéos. Voilà, voilà. Donc, alors attendez, petite pause pour faire la fin de cette vidéo. Voilà. Pour l'instant, ça va bien. On se remet tranquillement. D'ailleurs, c'est repassé à 5 sur 5. Les deux trucs. Voilà, 5 sur 5, sachant que j'ai démarré en médium. Il y a les catastrophes. Bon, on est en vallée, donc c'est facile. C'est pas comme si on était en montagne, donc là, ça serait quand même plus difficile. Pour l'instant, ça va bien. On a des problèmes au niveau des ressources primaires, c'est-à-dire le bois, la pierre et le fer. Sont pas forcément très très bien, ce qui est à la fois quand même une mauvaise nouvelle. Du coup, il faudrait vraiment que je lance la mine, quitte à devoir récolter à la main la pierre par ici. Une fois que j'aurai lancé la mine, il faudra que je lance elle est où, la carrière qui prend énormément de place, malheureusement, qu'on va devoir mettre genre par là. Je pense que c'est une bonne idée. Ah oui, quoique si je mets un pont par là, il faut quand même pas que ça gêne trop. YOLO, où est-ce que je peux le mettre? Ici c'est bien, ici c'est pas mal en fait. On va la poser, on va l'arrêter. Évidemment, ça coûte énormément de bois, énormément de fer, hein? Sinon c'est pas drôle. Mais on a réussi à les rééquiper totalement, ce qui est une très bonne nouvelle. On a réussi à rééquiper totalement tout le monde. On a du bois de chauffage, on a de la nourriture, on a des herbes médicinales. Moi je dis, pour l'instant ça va, on a même des outils de rab. Pour l'instant, pour moi, tout va bien. On est bien parti. J'ai eu un petit peu peur dans l'épisode précédent. Mais là, ça va. C'est tranquille. Ça coule. Bon, et ben, sur ce, n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous avez aimé. À me suivre sur Twitter. À vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes toujours pas abonné. Et puis voilà, voilà. Allez, moi, je vous dis à dans 3 jours pour la suite de ce Let's Play. Salut tout le monde !